C'est l'histoire d'un skieur français qui a aussi bien les pieds sur terre que la tête dans les étoiles et qui rêve de décrocher la lune avec ses skis. Originaire de la Clusaz, terre de champion, Geoffrey Poli-Villard, 23 ans, fait ses premiers pas en ski à l'âge de 2 ans. Après 7 ans de ski club, en alpin, il bascule dans les bosses et découvre alors l'univers du freestyle grâce à un certain Candy Tovex, la légende et accessoirement son voisin de clocher. Très vite attiré par le ski halfpipe, épreuve olympique depuis 2014 à Sochi, Geoffrey décroche un premier titre de champion de France en 2008. Véritable showman avec un look atypique, le rider de la Clusaz va se faire remarquer aux X Games en 2013 grâce à son amplitude incroyable. Et dès sa première participation, il deviendra le chouchou du public qui scande à chacun de ses passages « Flying to the Moon ». On le surnomme alors « JPV Airlines », une signature qui va marquer les championnats du monde cette même année 2013 à Oslo avec un saut estimé à plus de 8,40 m. Pas invité aux X Games cette année, Geoffrey fait le choix de partir aux championnats du monde à Kreisberg en Autriche. Un bon choix puisqu'il décroche une belle médaille d'argent avec un titre de vice-champion du monde. Parassasi pour autant, la rockstar décide de se lancer un nouveau défi de taille et de s'attaquer au record du monde de hauteur en halfpipe. 7,59 m est le record officiel dans le Guinness Book détenu par l'américain Peter Olnick, réalisé aux X Games en 2010. Loin des superstitions, la mission JPV 13 voit alors le jour un vendredi 13 sur les bords du pipe de Tine où une fusée de plus de 8 mètres est installée, un petit clin d'œil à Hergé. Objectif lune réussi, un sublime 540 flat speed en alley-oop, soit un tour et demi complet dans les airs, Geoffrey passe littéralement au-dessus de la fusée. Le record va-t-il être validé? Geoffrey va-t-il rentrer dans les livres d'histoire? La réponse est tout de suite, c'est maintenant sur le plateau de l'Expresso.